Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième colloque national consacré au photovoltaïque organisé par le syndicat des énergies renouvelables. Beaucoup de plateaux aujourd'hui pour aborder cette question cruciale. On le verra d'ailleurs dans un sondage. On a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de l'énergie solaire, ce qu'ils pensaient du photovoltaïque. Vous verrez leurs réponses. Beaucoup de tables rondes au cœur des préoccupations. La fameuse programmation pluriannuelle, évidemment, de l'énergie, qu'on appelle aussi la PPE. Je crois que le décret, c'était en avril. Les enjeux de renégociation, bien sûr, des tarifs du solaire. La question aussi du foncier, forcément, sans lequel le photovoltaïque resterait un doux rêve. Et puis aussi, ce que certains appellent le bain un peu des verrous administratifs, mais aussi d'autres, du côté de l'administration, disent « Messieurs les industriels du photovoltaïque, parfois vos projets sont assez mal cadrés ». Des tables rondes, plusieurs tout au long de cette matinée, une véritable émission en direct. Merci bien sûr d'être avec nous. Vous aurez le loisir pendant toute cette émission de poser, table ronde après table ronde, les questions qui vous viennent à l'esprit. Pour les animer, j'aurai l'honneur d'être accompagné de ma consoeur Florence Roussel, la rédactrice en chef d'Actu Environnement. Voilà, le débat est posé, on parlera du sondage tout à l'heure. Je vous présente mes invités en plateau et d'autres en distanciel. Évidemment, on est toujours en pleine crise sanitaire. Merci évidemment de nous suivre des Potreminet ce matin pour ces débats. J'accueille donc Sophie Mourlon, la directrice de l'énergie, à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique. Madame Mourlon, bonjour. Bonjour. À distance, le président Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables, que je salue également. Président, j'espère que vous nous entendez. Laure Chapuis, qui représente la commissaire européenne à l'énergie à la Commission européenne de Bruxelles. Madame Chapuis, soyez la bienvenue. Et puis Xavier Dalle, le vice-président du syndicat, du CER, en charge notamment du solaire. Alors ça tombe extrêmement bien. Je vais peut-être tout de suite, pour commencer, demander au président Ball, j'espère qu'il est avec nous en direct, de cadrer, de poser les éléments clés du colloque qui nous réunit ce matin. Président. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la directrice de l'énergie, madame la représentante de la commissaire à l'énergie à la Commission européenne, monsieur le président de CER Solaire, mon cher Xavier, et puis bonjour à tous. Je voulais rapidement revenir sur les faits marquants de 2020 avant de regarder les perspectives donc, pour l'année 2021 et les années suivantes. Je retiens trois faits importants en 2020. Il y a d'abord eu, comme dans tous les secteurs de l'énergie, de l'économie, la crise sanitaire. Les filières énergie renouvelable, dont les filières électriques, ont continué à approvisionner les Français en électricité. Elles ont été extrêmement résilientes, couvrant 27% de la consommation d'électricité en 2020. Pour les nouvelles installations, les chantiers ont certes été un peu ralentis au début du confinement, mais la filière s'est rapidement organisée et les délais de réalisation ont été aménagés avec le concours de l'administration, si bien qu'en 2020, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on aura dû installer à peu près la même quantité, la même puissance qu'en 2019, ce qui est encore insuffisant, j'y reviendrai. Le deuxième élément marquant de l'année 2020, c'est la publication de la PPE, vous l'avez mentionné en introduction. Après 2 ans et demi de concertation, 2 ans et demi, c'est quand même un chiffre qui interroge. Alors, il y a des objectifs ambitieux pour le photovoltaïque, mais il faudra maintenant se donner les moyens de réaliser ces objectifs. Le troisième élément marquant, vous l'avez aussi mentionné, c'est la renégociation des tarifs photovoltaïques, donc pré-2011. La loi de finances est maintenant derrière nous, elle est votée, mais le sujet va encore nous occuper beaucoup dans les mois à venir avec la publication des textes réglementaires et les nombreux contentieux qui vont en résulter. Je voudrais regretter que l'État ait jeté l'opprobre sur la profession alors qu'elle n'est en rien responsable de cette situation et qu'elle n'en a même pas profité. Depuis 2010, le nombre d'emplois dans le secteur photovoltaïque est passé de 30 000 à 10 000.
voyez que on n'a vraiment pas profité de ces tarifs soi-disant excessifs. Nous préférerions, nous, le faire et les entreprises consacrer notre temps et notre énergie à réaliser les ambitieux objectifs de la PPE qui nécessiteraient d'installer 3 à 4 gigawatts par an d'ici 2028. En 2020, on aura probablement réalisé aux alentours de 900 mégawatts, soit le même score que la Belgique, qui a pourtant un territoire 18 fois plus petit que le nôtre. Et ce qui est également frappant quand on regarde les chiffres du panorama qui est publié par le CER et les gestionnaires de réseau, c'est que la puissance installée annuelle stagne depuis plusieurs années, alors que les projets en file d'attente, eux, augmentent sans arrêt. On a maintenant 7500 mégawatts de projets en file d'attente. Comment dégonfler cette file d'attente pour transformer les projets en réalisation? Il faut donc accélérer, et pour cela, il faut reconstruire un climat de confiance entre les pouvoirs publics et la profession. Ce climat de confiance a été quand même un peu altéré par l'épisode de la renégociation des tarifs. Une première étape dans cette reconstruction du climat de confiance devrait avoir lieu aujourd'hui avec la réunion organisée par le cabinet de la ministre Pompili, avec la CRE, avec la DGEC. Nous retrouvons Sophie Mourlon. Et donc toute la profession, et cette réunion devrait donner de la visibilité sur la poursuite des appels d'offres de la série CRE 4 et pour la nouvelle série, les CRE 5. Et nous espérons que l'on pourra également débattre du guichet ouvert pour les puissances inférieures à 500 kW. En 2021, il faudra aussi avoir un débat, et Xavier va y revenir, un débat sur l'accès au foncier qui est tout à fait essentiel pour la réussite de ces objectifs. Et donc je voudrais terminer sur une note positive. D'abord, je suis confiant, après en avoir parlé avec Sophie Mourlon, sur le fait que nous allons réussir à reconstruire ce climat de confiance, que la croissance du marché va reprendre et que cette croissance du marché va entraîner des réalisations industrielles dont on parlera également pendant ce colloque. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un excellent colloque. Je vais suivre avec attention. Merci beaucoup Jean-Louis Ball. Beaucoup de choses, Président, dans ce que vous avez dit. Alors évidemment, ça s'adresse à la représentante du ministère de la Transition écologique. Je poserai la question évidemment à Sophie Mourlon. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble un sondage pour planter le décor, pour voir comment les Français perçoivent l'énergie solaire et le photovoltaïque. Un sondage fort intéressant, je pense, d'Aris Interactive, dont on va voir les principaux extraits. Quel regard les Français portent sur le développement de l'énergie solaire? Bon, vous allez voir, c'est massif, c'est direct, c'est franc. Ils sont favorables à 92% à ce type d'énergie. Si on regarde un peu dans le détail, 89% estiment que ça renforce l'indépendance énergétique de notre pays. Bon, 89%, on est quand même largement au-dessus des 50%. Regardez aussi ce chiffre, 87% estiment que ça permet de lutter contre le dérèglement climatique en réduisant les fameuses émissions de CO2. 87% aussi estiment que ça va favoriser justement les entreprises et la création d'emplois dans les territoires, dont le président Jean-Louis Ball faisait un constat plutôt négatif il y a quelques instants, en tout cas sur l'année écoulée. 89% estiment que les pouvoirs publics, Sophie Mourlon, devraient encourager le développement de l'énergie solaire. C'est dans ce sondage Aris Interactive. Et puis deux derniers chiffres, sans vouloir vous abreuver de bon matin avec des pourcentages. Regardez, 71% estiment que les équipements solaires pourraient couvrir leur propre consommation, disent les Français, 71%. 62% estiment que, ils pourraient investir via un mécanisme de financement d'installation dans son propre département. Donc les Français ont l'air, Sophie Mourlon, extrêmement positif sur le solaire, le photovoltaïque. Je vais vous faire réagir, bien sûr, sur les propos de Jean-Louis Ball, mais
89% estiment que les pouvoirs publics devraient encourager, on a envie de dire devraient plus encourager, le développement du photovoltaïque. C'est ce que je comprends, puisque effectivement, le développement du photovoltaïque, on l'encourage déjà, on l'encourage massivement. Jean-Louis Ball l'a rappelé, on a publié en avril 2020 la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période jusqu'à 2028. Et dans cette PPE, vous avez cité le sigle, on prévoit de passer à 40% de production d'électricité d'origine renouvelable, c'est un doublement. Et dans cette augmentation, on fait une multiplication par plus de 4 du photovoltaïque par rapport au début de la période de la PPE. Donc ça, c'est un encouragement très fort. L'autre encouragement, c'est le soutien public au photovoltaïque. Pour la totalité des énergies renouvelables, on met 6 milliards d'euros par an. En 2021, ce sera 6 milliards d'euros de soutien public aux énergies renouvelables. Donc ça aussi, c'est un encouragement massif. Alors, je vais interroger Xavier Daval, bien sûr, notamment sur les verrous administratifs que j'ai mentionnés en commençant cette émission. Mais Madame Bourlon, comment expliquez-vous quand même, quand on écoute les propos du président Ball, cette sorte de crise de confiance, comment l'action de l'État va être mise en œuvre pour, j'allais dire, presque apaiser une filière qu'on sent quand même un peu sous tension, hein, qui regarde le ministère, qui le regarde, mais enfin qui aimerait des actions concrètes. Comment est-ce qu'on explique cette crise de confiance ? Bon, je pense qu'on a une bonne relation de confiance, il l'a dit, hein, avec le président Jean-Louis Ball. Évidemment, c'est une turbulence, hein, pour la filière, et on en est pleinement conscient que ce travail qui a été relancé, avec la loi de finances de renégociation des tarifs photovoltaïques très anciens. On s'en est parlé avec Jean-Louis Ball. On va évidemment faire la mise en œuvre de ces renégociations de manière très ouverte et en pleine concertation. Concertation avec la filière sur la définition des conditions, puisqu'au-delà de la loi de finances, on va prendre des textes, un décret, un arrêté, pour cadrer l'ensemble de ce processus. Et la loi de finances a également prévu des voies de recours, des voies d'appel, qu'on mettra également en œuvre en concertation avec la filière. Mais au-delà, donc là, on va vraiment travailler en concertation, et au-delà de ça, d'une manière plus générale, sur le développement du photovoltaïque, on va reprendre la concertation intense qu'on a maintenue pendant la crise, mais il est vrai, dans des conditions qui n'étaient pas idéales, hein, enfin, tout le monde l'a vécu. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en distanciel, ce qui nous prive quand même un petit peu des contacts qu'on pourrait avoir. Et on a mis toute notre énergie, et je remercie le président pour ses remerciements, on a mis toute notre énergie pendant la crise à soutenir la filière, à faire des modifications de textes comme on n'en avait jamais fait comme ça, pour pouvoir maintenir les tarifs qui auraient dû baisser, pour pouvoir créer des conditions favorables à la filière. Et les résultats sont là, puisque la filière s'est développée en 2020 quasiment comme l'année précédente. Sophie Mourlon, merci. Alors, j'oublie pas évidemment que Laure Chapuis est avec nous à distance, hein. Elle représente la commissaire européenne, et on verra avec elle tout à l'heure comment l'Europe met en avant le photovoltaïque dans ses politiques d'énergie et de climat. Mais je reviens vers vous tout de suite, Xavier Daval, parce que je vous sentais presque trépignant, hein. Vous écoutiez avec beaucoup d'attention Madame Mourlon. Moi, j'ai le sentiment, à vous écouter, à écouter le président Ball, à avoir lu un certain nombre de choses, même si je ne suis pas un expert, qu'il y a un certain nombre de verrous administratifs et réglementaires qui pèsent sur la filière photovoltaïque. Tiens, par exemple, si on prenait concrètement le cas des appels d'offres, rentrons dans le concret. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous écoutez Madame Mourlon, que, vous savez, c'est le mot de Leipzig, du philosophe, tout est bien dans le meilleur des mondes ? Tout est bien dans le meilleur des mondes, sans doute. Mais d'abord, oui, je tenais moi aussi à remercier Madame la Directrice. L'année dernière a été une année en deux temps. Et effectivement, pendant le premier temps de cette année, au plus fort de la crise, le ministère était là. Et on a été écoutés, ils nous ont aidés, on a adapté les dispositifs. Et ça, il faut le saluer, il faut savoir reconnaître quand les choses sont bien faites. Et donc, je tenais à le dire. Le deuxième temps a été largement perturbé par la crise des renégociations. Je ne veux pas y revenir pour le moment. Elle suivra son cours. Ces appels d'offres, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'un projet photovoltaïque est quelque chose de relativement simple. Quelques panneaux, des structures, des câbles, un onduleur. Et puis, ça, c'est un bloc élémentaire, une sorte de brique de Lego. Et puis, on en met un, on en met deux, on en met N. Et on fait la centrale de la taille qu'on veut. Donc, d'un point de vue technologique, c'est relativement simple. Et cet objet simple croise à l'inverse une complexité administrative qui n'est pas due au photovoltaïque, qui est due à l'empilement des couches, des strates du mode réglementaire français. Jusqu'à plus de 8 codes différents sont à analyser pour étudier un projet. Bien évidemment, c'est une centrale, donc code de l'énergie, elle a besoin d'un terrain, code civil, code de l'environnement, code de l'urbanisme, code des forêts, code rural, etc. Et donc ces couches s'empilent. Tous les dossiers d'instruction sont presque semblables, sauf que
sauf qu'il faut les faire séquentiellement parce qu'ils sont tous un peu différents, les temporalités sont différentes. Et je pense que la temporalité et la lourdeur sont sans doute les reproches qu'on peut faire à d'autres systèmes administratifs. Lourdeur, le temps de réaction est très long. Xavier Laval, vous pointez du doigt un phénomène qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on connaît aussi en ce moment dans la crise sanitaire, qui est ce millefeuille administratif. Mais français. Quand vous dites c'est très simple finalement d'installer un projet photovoltaïque, mais encore faut-il demander aux gens qui vivent pas très loin ce qu'ils en pensent, encore faut-il regarder si ça a un impact sur l'environnement local. Donc, bien sûr, il y a, et je donne la parole à Sophie Mollon, il y a sans doute un millefeuille administratif qu'on dénonce les uns et les autres, en tout cas qu'on pointe du doigt, mais ce n'est pas si simple que ça. Prenez par exemple l'affaire du foncier. Je le disais en commençant, s'il n'y a pas de foncier pour développer du photovoltaïque, ça restera un doux rêve. Quelles sont aujourd'hui les mesures les plus simples à mettre en place, d'après vous, pour se défaire de ces goulots d'étranglement en termes de foncier? Aujourd'hui, le foncier, de par les règles qui s'imposent à nous, développeurs de projets photovoltaïques, font que finalement, 9% du territoire est ouvert. Et ces 9%, c'est les 9% du sol artificiel français. Et comme il est artificiel, par essence, il y a déjà des choses dessus. Alors bien sûr, en premier ordre, on essaye de déployer, par exemple, sur des anciennes carrières, sur des friches industrielles, choses comme ça. Mais ce nombre de sites compatibles devient de plus en plus restreint, le volume augmente, ce qui veut dire qu'on va créer de facto un étanglement. On a besoin de pouvoir déployer ailleurs. Et les ailleurs peuvent venir peut-être d'innovations, le solaire flottant par exemple, ou de trouver le bon dialogue et le respect mutuel dans un esprit gagnant-gagnant avec le monde agricole pour pouvoir faire des projets sur ce qui représente aujourd'hui 51% du territoire national. C'est-à-dire que si je regarde à l'échelle de la PPE, cette PPE va grosso modo nécessiter quelque chose de l'ordre entre 20 000 et 25 000 hectares. Sachant que tous les ans, l'artificialisation, c'est-à-dire la création de nouveaux ronds-points, de nouveaux centres commerciaux, c'est 55 000 hectares par an. Donc, on doit pouvoir trouver, si c'est fait dans le respect, encore une fois, des territoires et surtout du monde agricole, c'est-à-dire en partenariat, on doit trouver une solution. Oui, c'est un élément crucial, Sophie Mourlon, cette affaire de foncier, hein, quand je regarde ça de près. Et d'ailleurs, pour atteindre les objectifs de la fameuse PPE dont on parle depuis le début, avec ce décret d'avril dernier, il faut bien du foncier. Comment est-ce que, quelles actions vous envisagez de mettre en place au ministère de la Transition écologique pour relever le défi du foncier, bien illustré, je pense, par les chiffres de Xavier. Les chiffres sont très illustratifs, puisque finalement, la filière, effectivement, a besoin de beaucoup de foncier, et en même temps, elle en a besoin de relativement peu. Vous l'avez rappelé, à l'échelle du territoire national, c'est relativement limité. Donc, on a libéré, on a engagé plusieurs actions pour libérer des zones, avec le ministère de la Défense, avec un certain nombre de propriétaires fonciers, pour libérer des espaces déjà semi-artificialisés, qui sont vraiment notre priorité, parce que la lutte contre l'artificialisation des sols, c'est aussi une politique de gouvernement et c'est aussi une politique importante, donc il faut concilier les deux. On a déjà dans les appels d'offres, le dernier appel d'offres, et ça va se poursuivre, on a ouvert l'accès aux communes qui n'ont pas de plan local d'urbanisme pour le photovoltaïque, donc ça, c'est la libération d'un espace considérable. Et on a un travail très approfondi avec nos services déconcentrés pour continuer à identifier des friches industrielles qui seront propice à l'installation de photovoltaïque. Par ailleurs, nos tarifs permettent l'installation de photovoltaïque sur les bâtiments, sur des ombrières. Ils sont adaptés pour permettre ces différents types de projets, même s'ils sont un peu plus chers. Après, je pense qu'un point important dans ce que vous avez dit, c'est effectivement le travail avec le monde agricole, avec la profession agricole. Le ministère et l'État est très mobilisé. Nous travaillons avec nos collègues de l'agriculture. Et c'est très important que la profession, que les porteurs de projets entretiennent ces relations de confiance approfondies et de travail avec le monde agricole, de la même manière avec les associations environnementales. On voit se développer des projets de grande envergure à différents endroits en France. Il est absolument fondamental que ces projets s'élaborent en concertation avec les parties prenantes locales, les ONG, le monde agricole en particulier. Alors on va poursuivre ce débat sur le cas français, autour de la réindustrialisation aussi. Peut-être qu'on parlera de Sarreguemines, cette fameuse usine qui a l'air importante. On parlera aussi de la Convention citoyenne, forcément, parce que quand on parle climat, on parle de Convention citoyenne. Mais j'aimerais qu'on retrouve en direct Laure Chapuis, experte auprès de la commissaire européenne à l'énergie, qu'on parle un peu du niveau européen, Madame Chapuis, j'espère que vous m'entendez. Je le disais, comment est-ce que la Commission aujourd'hui met en avant ces problématiques de photovoltaïque dans le cadre de ces conventions, ces réflexions autour de l'énergie et du climat?
Donc de notre côté, merci beaucoup pour cette invitation et pour participer à ce débat français. De notre côté, en Europe, bien sûr, le débat est d'un niveau un peu différent. Nous sommes là pour donner les opportunités, pour donner les encouragements qui peuvent être faits, notamment via nos mécanismes de soutien à la lutte contre le climat. Donc on a un programme très ambitieux depuis un an qui est en place avec le Pacte vert et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, ce qui bien sûr va se refléter et se répercuter sur les réductions l'augmentation des renouvelables dans le secteur. Et notamment les modifications de nos législations sur les renouvelables, d'où le fait de créer des opportunités encore une fois. Nous cherchons et travaillons sur une augmentation des renouvelables à 40%, qui est actuellement à 32%, donc c'est un grand pas pour 2030 de renouvelables dans le secteur. Et pour accompagner ces évolutions, notamment durant la crise sanitaire, la crise Covid, nous avons adopté un budget en ligne avec ces ambitions. Ce budget se focalise pour la période de résilience et la période de recouvrement, on va dire, de post-crise, quand on sera sorti de la crise, vers des plans nationaux, le plan français. Je vous interromps une seconde. La Commission, je crois, va réviser les lignes directrices relatives aux aides d'État. Comment ça va se dispatcher, vous parlez de plan de relance, et comment ça va accélérer ou pas le développement des énergies renouvelables? Puis ensuite, j'aimerais vous poser une question, avant de revenir en plateau ici, sur la réindustrialisation, parce que c'est un sujet qui intéresse Xavier. Comment les contributions qui sont réduites au niveau des États vont être redispatchées pour accélérer le développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque, Madame Chapuis? C'est aux États membres de fournir leur plan. Dans leur plan de recouvrement, il y aura des listes de projets qui seront approuvés ensuite par la Commission européenne, d'un côté. Donc ça, c'est le plan de recouvrement avec un budget qui est conséquent. À côté de ça, nous avons bien sûr nos programmes existants, notamment les programmes de renouvelables cross-border, donc ce qu'on appelle entre frontières, qui peuvent aussi soutenir l'industrie. Concernant les aides d'État, il y a déjà la possibilité d'utiliser le système existant. Les aides d'État, les lignes directrices vont être renouvelées, mais ce travail est en cours d'élaboration et c'est difficile pour le moment de voir comment on va changer. Je reviens vers vous tout de suite, leur Chapuis, mais j'ai vu Xavier Dalle qui réagissait. Bah si, je l'ai vu réagir. Il avait l'air pas tout à fait en phase, hein, si je suis diplomatique et que je travaille au Quai d'Orsay, ou pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Non, Xavier. Non, c'est un sujet, c'est un débat qu'on voit récurrent. L'Europe lance des idées. Ils ont entre guillemets, forcer, par exemple, le concept de l'appel d'offres technologie agnostique, c'est-à-dire toute technologie confondue, pour mettre en concurrence les différentes énergies, par exemple. Et le transfrontalier est aussi une idée comme ça qui vient de l'Europe. C'est une bonne ou mauvaise idée, Xavier? Je me méfie de ces idées un peu compliquées, où j'ai du mal à comprendre comment ça va s'organiser. En tout cas, en tant que chef d'entreprise, d'une petite entreprise, ce genre de dispositif me semble pas forcément toujours... Leur Chapuis, le cross-border, c'est compliqué. Bah oui, intuitivement, on se dit deux États sur une frontière qui veulent travailler ensemble sur des secteurs aussi compliqués, ça peut être que complexe, non? Ça peut être très compliqué, mais ça peut aussi offrir d'énormes opportunités. On le voit notamment dans les nouveaux projets, vous parliez de nouvelles technologies. Il faut se mettre à l'heure du temps et prévoir qu'on peut faire du solaire sur mer. Et ça peut impliquer en Méditerranée, notamment d'autres États, pour aller récupérer dans les zones les plus propices à ce genre d'installation. Je reviens vers vous, Laure Chapuis. Je reviens vers vous dans quelques secondes. Je reviens à vous dans quelques secondes parce que je vais vous interroger sur la réindustrialisation, mais je voulais aussi avoir la réaction de la directrice de l'énergie, Sophie Mourlon. Alors, ces projets transfrontaliers
Comment on observe ça? Comment depuis la vigie du ministère de la Transition écologique? On fait plus qu'observer ça, puisqu'on travaille avec la Direction générale de l'énergie sur ces projets. C'est vrai que c'est complexe à monter, qu'il faut trouver vraiment les bons créneaux. Il se trouve que la France a un territoire qui est assez vaste, donc l'enjeu des projets transfrontaliers n'est pas si critique que ça. Mais nous avons un travail avec nos collègues allemands pour penser une action, on va dire, transfrontalière dans la zone frontalière avec l'Allemagne, justement sur le solaire sur bâtiment, parce que là on pense qu'il y a des synergies possibles entre filières sur ce secteur-là. Et puis on aura, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais on aura des sujets transfrontaliers sur l'éolien en mer. Où là, on a des enjeux. Mais c'est vrai que sur le photovoltaïque, compte tenu de la position de la France, on se sent moins, moins poussé, moins tiré, moins mais c'est moins critique pour nous. Ouais. Mais par contre, comme je vous le disais, c'est un sujet qu'on travaille, par exemple, avec nos collègues allemands. Sophie Mollon, tout à l'heure, le président Ball disait quelque chose qui a frappé mon esprit, pardonnez mon esprit en escalier. Il disait, il y a des pays où la superficie est beaucoup moins importante, peut-être moins où le soleil tape moins sur le territoire, et qui pourtant ont développé du photovoltaïque. Historiquement, comment on explique, par exemple, que, je crois qu'il prenait cet exemple, le président Ball, que la Belgique a plus de photovoltaïque ou d'énergie solaire que la France? Chaque pays et chaque État membre est libre de définir son mix et ses trajectoires énergétiques à l'intérieur des grands objectifs qu'ils se sont fixés. Donc les mix énergétiques des pays, on le voit, ils sont très différents, chacun a sa trajectoire. On travaille en concertation avec nos collègues, on a une bonne communauté des directeurs de l'énergie au niveau européen et on essaye de prendre les bonnes pratiques des uns et des autres pour se développer. Après, et l'histoire et le mix énergétique et l'histoire du territoire dans les pays sont différents. Vous auriez pu m'interroger sur l'éolien en Allemagne, oui. Et je vous aurais fait la même réponse. Oui, mais on se dit, mais vous savez, c'est la réflexion de journaliste, on se dit il y a plus de soleil en Charente et dans le sud de la France qu'au nord de la Belgique, vous voyez. On développe en France le solaire, y compris partie nord de la France. Hein. On a d'ailleurs adapté les tarifs pour ça, pour le permettre de manière extrêmement intensive. Laure Chapuis, je reviens vers vous, pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Ma dernière question, elle est très simple, c'est comment est-ce que la Commission européenne compte finalement contribuer au débat sur la réindustrialisation, parce que je vais aborder ce sujet avec Xavier Daval qui est en plateau avec moi. Pour cette filière, comment est-ce qu'elle s'y prend? Est-ce qu'elle regarde tout ça de très haut, de manière un peu compliquée, vous voyez, bon, ou pas? Quelle est la contribution de la Commission à la réindustrialisation, notamment dans cette filière? Donc, nous ne regardons pas tout ça de très haut. Au contraire, nous avons des discussions avec les acteurs et les industriels de manière régulière. Nous avons une discussion entre la commissaire... Ce n'est pas péjoratif de regarder de très haut. Hein. Ce n'est pas péjoratif, c'est avoir du recul et de la distance. Hein. C'est pas... non, mais c'est... Oui, très bien, c'est certain. Mais c'est qu'on discute quand même avec les secteurs sur le terrain. Malheureusement, avec la crise sanitaire, nous ne pouvons pas aller nous promener comme on a l'habitude de le faire pour aller voir les actions sur le terrain. Mais on a quand même la possibilité d'interagir. Et on a un forum sur l'industrialisation du secteur des renouvelables. Que l'on compte remettre à l'heure du jour. On a des réunions qui sont prévues dans les prochaines semaines pour discuter avec l'industrie dans différents domaines. On a la réindustrialisation, on a aussi le côté industriel, comment prévoir les renouvelables sur les industries. On a le côté résidentiel qui est très fort. On a un programme qui vient juste d'être adopté sur la rénovation des immeubles où on a énormément de projets à faire. Donc tout ceci s'inscrit dans une étape où on va, et grâce au plan, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est les États membres qui doivent bien sûr ensuite nous donner leurs actions. On va rénover, comme j'ai dit, on va reprendre aussi les directives et les législatives pour favoriser le secteur. Merci Laure Chapuis. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Hein, la crise sanitaire oblige, il y a des gens qui sont dans cette émission en direct. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en poserai quelques-unes à la fin de cette première table ronde. Xavier Daval, je reviens vers vous sur la question de la réindustrialisation. Comment est-ce qu'on peut faire, d'après
après vous, vous êtes le vice-président solaire du CERF, pour réindustrialiser la filière française du photovoltaïque. Je parlais tout à l'heure, parce qu'on en a discuté, de ce fameux projet de Sarreguemines qui m'a beaucoup impressionné. Je n'ai pas vu, mais je sais que vous y allez prochainement. J'y étais la semaine dernière. Vous y étiez la semaine dernière, c'est très impressionnant. À partir de cet exemple, peut-être nous expliquer comment ça peut se réindustrialiser en France ? En fait, c'est un peu chicken egg story, une histoire de la poule ou de l'œuf. Le marché grossit. Si le marché grossit, il doit y avoir des acteurs. Et on attend qu'il y ait des acteurs pour que ça grossisse. Concrètement, l'élan que donné, je pense, le signal qui a été donné en France avec la PPE a été reçu 5 sur 5 par les grands acteurs mondiaux qui ont enfin vu la France comme un marché, alors qu'avant, ayant des objectifs très faibles, nous n'étions pas un marché intéressant. Ils s'étaient intéressés à d'autres pays comme l'Allemagne ou d'autres. Donc on lance ce pied d'appel, on est un pays de recherche, on a les plus grands centres de recherche avec le CEINES, avec l'IPVF par exemple, qui travaillent spécifiquement sur le solaire. Et donc je pense que l'un plus l'autre ont sans doute été la bonne alchimie pour démarrer quelque chose. Aujourd'hui, il y a un acteur international qui s'appelle RSC Solar qui présente un projet, et ce projet est en cours d'instruction. C'est dans le cadre de cette instruction que j'étais à Sarreguemines la semaine dernière, parce qu'il y a un débat public, parce que c'est un enjeu important, parce qu'on parle d'une centrale qui fera 2 gigawatts de capacité au début, peut-être portée à 4. Qui pourra exporter, donc. Et qui va pouvoir exporter, parce que si le marché français va monter à 2, 3, peut-être 4 annuels... 3,2 annuels à partir de bientôt. 2 annuels à partir de bientôt. 3,2. Oui. Je prends 2 annuels à partir de... 3,2. Je prends, à partir de là, il pourra s'avérer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le marché européen, c'est déjà 18, et très bientôt, 25. Ce qui veut dire que, quand on entend qu'en France, quelque chose repart, un autre projet avec deux acteurs, Systovi et Voltec, qui veulent s'unir pour fédérer, dans un projet qui s'appelle Belenos, une unité de production d'un gigawatt, et puis en Allemagne, un autre projet qui démarre, etc., etc. Ça veut dire que je pense que c'est un peu comme dans les grandes surfaces. Le client appelle le client, quoi. Et il y a un effet boule de neige très positif. Mais Xavier Daval, pardonnez cette question de néophyte dont je me targue de faire partie, c'est normal. Produire de l'énergie, bon, très bien, on voit, elle n'est pas polluante. Bon, pendant des mois, pendant des années, les panneaux photovoltaïques ont été subventionnés, mais ils venaient de Chine, donc ce n'était pas très bon pour le commerce extérieur français. Mais ce n'est pas ma question. On sait qu'on ne peut pas stocker l'énergie, l'électricité. Alors, tous ces projets de développement de photovoltaïque, d'énergie renouvelable en général, pourquoi produire autant d'énergie alors qu'on ne peut pas la stocker et qu'on serait peut-être obligé de l'envoyer ailleurs? Je pense à l'Italie, par exemple, parce qu'on dit souvent que c'est une île électrique. Mais voyez la question, c'est-à-dire, alors, produire beaucoup pour ne pas polluer, je vois. Mais produire beaucoup pour envoyer ailleurs, pourquoi ? Moi, je pose le débat un tout petit peu différemment. L'énergie solaire est devenue aujourd'hui mondialement la production d'électricité la moins chère au monde. En moyenne, on est à 40 euros du mégawatt-heure. Dernier chiffre, étude Bloomberg, étude de quelques grands cabinets. Ça veut dire que et le prix de cette électricité va continuer à baisser. Parce que la technologie progresse et continuera à baisser. Ce qui veut dire qu'à partir de là, cette dynamique qui est en cours, mondiale, moi je veux que mon pays soit dedans. Et je ne veux pas que la France soit seulement consommateur de panneaux solaires, quelques-uns, mais qu'en devenant acteur, elle soit partie prenante. Parce que demain, il y aura tel ou tel pays qui, pour des raisons de souveraineté, ne voudra pas acheter asiatique. Et ce jour-là, savoir qu'il y a une offre française, ça aura une vraie valeur. Donc, pour moi, il y a des perspectives extraordinaires. Et donc, quand vous dites qu'elle ne se stocke pas, il y a beaucoup de pays au monde qui n'ont pas d'électricité, qui ont déjà des portables, qui ont déjà le minimum. Eh bien, ces gens-là auront besoin de faire fonctionner. Et s'ils n'ont que 4 heures par jour, ils n'auront que 4 heures par jour. Mais ces pays sont plutôt dans le sud, ils sont capables de développer eux-mêmes leur photovoltaïque. Ces pays du sud n'auront pas les moyens d'avoir l'industrie pour le développer. C'est donc à nous, pays riches, qu'il incombe la responsabilité de prendre la main et par nos travaux, par nos recherches, de faire progresser cette industrie et donc d'en diminuer les coûts pour la permettre de la disséminer partout. Mmh. Sophie Mourlon, sur ce problème, avant que je vous interroge sur la Convention citoyenne, sur cette question, sur cette analyse, les pays du Sud auront besoin d'énergie, ils ont des portables, hein, ils ont fait un espèce de saut de consommateur, on a du mal à se nourrir au quotidien, mais on a déjà un portable ou deux. Est-ce que ces pays n'auront pas tendance à développer eux-mêmes leur énergie solaire photovoltaïque ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes dans ce qui a été échangé sur la question l'énergie solaire ne se stocke pas, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on regarde les systèmes électriques des pays industrialisés comme le nôtre, en réalité, on peut, et RTE, qui est le transporteur d'électricité, qui a la responsabilité de l'équilibre offre-demande, à qui on a commandé un certain nombre d'études, a montré que jusqu'à des taux relativement élevés, et en tout cas pour notre mix en France, jusqu'à 2035 sans problème, on peut intégrer dans notre réseau tel qu'il est les énergies renouvelables. Parce qu'on peut faire l'équilibrage du réseau globalement sur l'ensemble du mix. C'est aussi pour ça que nous veillons à avoir un mix d'énergie, y compris un mix d'énergie renouvelable, qui soit varié, parce que c'est cette complémentarité aussi qui aide à l'équilibrage du réseau. Dans les pays du Sud, comme ça a été dit, je l'ai moi-même vécu lors d'un voyage au Népal avant la crise, effectivement, quand on a 4 heures ou 6 heures d'électricité par jour, on peut faire beaucoup de choses, et dans ces pays-là, c'est très utile et ils investissent beaucoup là-dessus. Et on voit qu'il y a des synergies très fortes entre des entreprises des pays développés et ces pays pour trouver des équilibres et des modèles économiques qui leur permettent de faire ce développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des opportunités et on les voit se développer venant de pays du Nord. Évidemment, les équilibres se déplaceront dans le temps, mais le marché du développement est tellement énorme qu'il y a vraiment des opportunités. Alors, Sophie Mourlon, la fameuse convention citoyenne pour le climat. Pardon, avant la convention citoyenne, j'avais un message à passer sur l'industrialisation en France. Donc, on fait beaucoup de choses pour le favoriser, dans le cadre qui est fixé par la Commission européenne, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est très important que l'industrie qui se développe en France et en Europe garde en tête qu'ils doivent en permanence rester à la pointe. Il n'y a de place pour eux que s'ils restent à la pointe. Et on entend souvent dire « Ah, il faut des critères carbone parce que l'industrie européenne est meilleure en critères carbone ». Ne soyons pas naïfs, l'industrie asiatique est très excellente et il ne s'agit pas que de contourner les règles, on y veille, ils sont très bons. Alors, et donc attendez, il faut que l'industrie européenne reste à la pointe, sinon elle n'aura pas de place. Sophie Mourlon, avant de revenir sur la convention citoyenne, de poser cette question sur le critère carbone qui est utilisé notamment dans les appels d'offres, est-ce que ça peut être un levier ou bien vous comprenez et vous adhérez à ce que vient de dire la directrice de l'énergie? Je souscris complètement à ce que dit Madame la directrice. Il ne faut pas que le critère carbone soit un parachute ou un parapluie pour protéger, entre guillemets, ou faire du protectionnisme. Ça serait idiot. À l'inverse, vous avez vu que dans le sondage, je crois 87% des Français étaient pour la lutte contre le réchauffement climatique et donc la réduction carbone. Si on veut faire... Oui, 87% dans le sondage Harris, vous avez raison. Si on veut participer à cette réduction carbone, il faut que nos énergies soient les plus vertueuses possibles. C'est donc en imposant des règles du jeu à des produits, je dirais, qui vont être vertueux, nous fixons, entre guillemets, un seuil sur les technologies qui vont venir chez nous. Si nous ne mettons pas de seuil, comme d'ailleurs nous l'avons demandé pour le tarif guichet à 500 kg, si nous ne mettons pas de seuil, alors ça va être l'entrée de produits que j'appellerais de low cost, qui seront de moins bonne qualité. Parce que toutes les entreprises, y compris d'ailleurs on a dit, qui font l'effort d'analyser leurs émissions carbone et de travailler à les améliorer, pour moi, sont bienvenues au club des fournisseurs pour l'Europe. Parce qu'elles protègent, en quelque sorte, un modèle vertueux. Je demanderai dans quelques minutes au président Ball de ne pas de conclure cette première table ronde, mais nous dire un peu comment il a vécu ces débats. Mais Sophie Mourlon, donc, je reviens vers vous. La Convention citoyenne pour le climat va arriver au premier semestre, je crois, 2021, devant le Parlement. Ça y est, c'est le cas. Il y a deux sujets, me semble-t-il, qui vous intéressent. J'ai regardé un petit peu. Il y a la question, bien sûr, du développement des toitures sur les bâtiments. Là, on est bien dans le photovoltaïque. Et puis, alors, question qui fâche plus, peut-être, c'est, on en a parlé un petit peu, c'est l'artificialisation des sols. Sur ces deux sujets, de quelle manière est-ce que vous allez adresser au ministère de la Transition écologique, Madame la Directrice, ces deux sujets ? Alors, sur le développement des énergies en toiture, effectivement, vous l'avez vu, c'est une volonté qui... On a déjà passé des mesures dans de précédentes fonctions où j'avais eu à m'occuper de la loi Elan. On avait déjà mis des dispositions là-dessus. Donc, c'est un sujet important. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Vraiment, le développement sur les grandes toitures offre des opportunités qui concilient à la fois les objectifs d'artificialisation et les objectifs économiques pour le développement du photovoltaïque. Donc, ça, c'est une mesure. Et je pense que c'est une mesure qui
alors je ne vais pas dire qu'elle fait consensus, parce qu'évidemment ceux qui se retrouvent avec l'obligation, ça leur met des contraintes, mais en réalité ce sont des modèles qui peuvent être économiquement intéressants, donc normalement tout le monde peut y trouver son compte. Sur l'artificialisation, on en a déjà beaucoup parlé, il y a une ligne de crête assez étroite à trouver. Dans mes précédentes fonctions, j'étais l'adjointe du directeur général de l'aménagement du logement et de la nature, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire que la lutte contre l'artificialisation n'est pas importante, elle est vraiment importante. Je pense qu'il y a vraiment une place pour faire les deux. On l'a dit tout à l'heure, finalement, les surfaces dont le photovoltaïque a besoin ne sont pas si gigantesques que ça. On doit pouvoir les trouver dans des conditions qui sont favorables. En développant tout ce qui est terrain artificialisé, on en a parlé. En développant des modèles vertueux avec, avec le monde agricole et le monde rural. Nous sommes en attente, mais vous le savez, nous sommes en attente de données de la filière sur les modèles de type agrivoltaïsme. On a vraiment besoin d'avoir des éléments sur l'artificialisation réelle qu'induit ces panneaux. On ne peut pas dire qu'ils artificialisent très fortement, on ne peut pas dire qu'ils artificialisent pas non plus. Si vous demandez à un aigle qui passe au-dessus d'un champ photovoltaïque, si ça fait aucune différence pour lui, je pense que le mulot en dessous va trouver aussi que ça fait une différence. J'ai du mal à communiquer avec un aigle, mais vous avez raison. Et avec le mulot ? Avec le mulot aussi, forcément. Mais c'est juste pour dire que ça artificialise quand même un peu. Ça imperméabilise pas, mais ça artificialise quand même. Donc, avoir des données de retour d'expérience, on est en attente de cet échange et de ces éléments de la filière depuis un moment, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et parmi la concertation et les échanges que Jean-Louis Ball appelé de ses voeux et que je partage complètement, il y a aussi ce volet-là pour trouver les modèles qui permettront un passage à l'échelle sans qu'on se dise, sans que nos successeurs, parce que nous on sera vieux, nous disent dans 30 ans qu'on a fait vraiment des bêtises et qu'en apportant des solutions, on a aggravé le problème. Merci beaucoup madame. J'étais juste pour dire que le mot artificialisation, dans nos codes, n'a pas de définition. Tout à fait. Ça veut dire qu'on est On y met un peu ce qu'on veut. Exactement. Oui. Et c'est la difficulté que rencontre le solaire, c'est qu'il ouvre beaucoup de champs nouveaux sur lesquels, finalement, il n'y a rien d'écrit. Et par contre, il se heurte au champ historique où là, il y a beaucoup trop d'écrit dans certains cas. Voilà, on va clore cette table ronde. J'aimerais juste donner la parole au président Jean-Louis Ball. Je vous regardais, président. Vous avez vécu cette première émission, ce premier débat avec passion. Oui, donc j'ai suivi attentivement et je trouve que les échanges ont été très riches et très constructifs. Je voudrais faire une petite rectification par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Revel, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, l'électricité ne se stocke pas. Non, mais l'électricité se stocke depuis très longtemps. Ah bon ? Alors, pas sous forme électrique, mais quand on retient... Quand on retient de l'eau dans les barrages, vous avez raison. Décennies. Oui, bien vu. Oui, mais ça fait partie du sujet. Il a raison. Oui. On stocke de l'électricité. Et on voit arriver des nouvelles technologies de stockage, telles que les batteries avec diverses technologies, qui vont, un jour ou l'autre, prendre une place dans notre mix électrique. Ce que je voudrais surtout retenir. De cette première heure du colloque, c'est ce que nous a dit la représentante de la Commission, Madame Chapuis. On le savait, mais les objectifs climatiques au niveau de l'Union européenne ont été augmentés à l'horizon 2030. Donc, 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, ce qui va nous amener à revoir nos différentes feuilles de route. Stratégie nationale bas carbone, PPE, et le faire assez rapidement, parce que si on veut se mettre en cohérence avec cet objectif de 2030, il est fort probable qu'on ne peut pas attendre la prochaine étape de révision de la PPE, qui est en 2023. Et quand on sait, j'ai souligné tout à l'heure, la durée de concertation autour de la PPE actuelle, il y a une étape qui va être rajoutée dans la prochaine PPE, c'est qu'elle va devenir une loi de programmation et qu'il y aura donc une étape parlementaire. Donc, ce qui va encore augmenter le délai. Et si on veut donc réviser notre feuille de route énergétique pour qu'elle soit d'application jusqu'à 2030, il faut probablement anticiper. C'est aussi un des grands sujets qu'on va avoir cette année, qui ne concerne pas que le photovoltaïque, mais qui concerne l'ensemble de la politique énergétique.
Merci beaucoup Jean-Louis Ball, président du syndicat donc des énergies renouvelables qui organise ce colloque. Merci à vous de nous suivre en direct. Merci beaucoup Madame la directrice de l'énergie, Sophie Mourlon, d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à Laure Chapuis, que je salue à Bruxelles, qui était avec nous à distance. Et merci au vice-président en charge du solaire. Je connais bien ces questions, hein, Xavier, c'est un passionné. Merci à Xavier Daval. On va changer d'invité et changer de plateau. On va parler maintenant de la contribution de la filière photovoltaïque à l'économie nationale. Bah, il y a une crise sanitaire, c'est pour ça aussi qu'on est en distanciel. Il y a des plans de relance en France, il y a des plans de relance en Europe. Et le point commun, c'est qu'ils sont tous marqués par la transition écologique. Merci à tous et on se retrouve dans quelques secondes.